C'est bon. Combinaison d'Otso. Voilà, combinaison d'Otso. Alors, ma vieille dent était encore montée en grade. T'es curé sur Otso maintenant ou quoi? Et tu nous dis la messe, t'as pris le pinard pour, et les hosties? Ouais, j'ai pris le perniflore. Ah, avec le perniflore, on est sauvé. Puis... un petit canon, le perniflore avec l'eau du puits. Ouais. Et puis, bon, j'en peux plus. J'ai l'impression que tu vas me dire la messe. Ouais. Tu sais comment je vais t'appeler? Monseigneur Canard. Avec ça, sur Otso, on attrape les chez. Parce que chez vous, vous dites les escargots. Ouais. Et nous, là-bas... sur Otso, il y a des escargots aussi. On les appelle les bestioles. Et toute la semaine, on perce des trous là-haut. Dans la roche. Dans la roche, pour récupérer la limaille de fer. Ouais. T'as bu, toi, non, ce matin? Non, 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 je suis bien l'histoire. Ça y a été le 20 mai. Oui, j'ai suivi l'histoire. Oui, vas-y. Après, on a notre samedi, et puis le samedi, c'est une journée spéciale. On attrape la bestiole. Et on balance toute la limaille de fer comme ça. Tu vois? L'escargot, lui, il s'en met plein la panse. Il s'en met sous sa semelle de salive, là. Et pour pas qu'on se baisse, on pêche à l'aimant. Ah, vous êtes pas con comme nous avec les boules de pétanque. L'escargot, bah, il est collé à l'aimant après avec la limaille de fer. Ouais. Elle a tellement plein la panse, ouais. Comme ça on n'a pas besoin de se baisser. Mais vous bouffez ça, vous? On bouffe ça. Ah oui, c'est vrai que vous sucez des cailloux. Quoi. Voilà. Ouais, ouais. Bon, bah, c'est bien. C'était une belle vidéo, monsieur la denrée. Et alors, t'as quel grade maintenant sur Otso avec ta chasuble de cureton? Ah bah là, je sais pas, je pourrais pas te dire. Et t'as des hélices sur ta soucoupe volante ou quoi là? Parce que ça va se prendre 2 ans peut-être, non? Oh non, ça va aller ça. Ah ouais? Ouais, franchement. Hey, ah ouais? T'as vu? Vous faites des défilés de mode aussi là-bas? Ouais. Ah ouais? Je suis tout en orange. Ah Marc, c'est un truc, tu peux chier dedans, personne te voit. Hein. Ah oui? C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Bon, ceci dit, on est prêt pour une rando? Ouais, c'est parti pour la journée. Donc c'est parti, mon karakiki, c'est ça? Mon karakiki. Ok. Ah, t'es quand même équipé, on dirait une grosse coccinelle. Ouais. Oui, je la protège, la machine. Ah ben oui. Parce que je croyais que c'était le saucif-là. Ah non, c'est la GoPro. C'est la GoPro. Ah, je dis, putain, il a déjà faim, lui. Ah, il sort le saucifleur. C'est pour protéger la GoPro. Ça. Ah, d'accord. Hein? Eh, hey. Il y a des fois je suis con, je fais ma vidéo avec le capuchon. Ça va être bien? Je dis merde. Ouais. Ah, je dis merde, j'avais laissé le capuchon. Ah, tout est noir. C'est un écran noir. Ah, j'en peux plus de ces conneries. Ça fait 2-3 fois comme ça. Voilà, ma Christelle, si tu regardes ce soir la vidéo, parce que t'as bien rigolé avec nous de l'autre fois. Ma Christelle, elle habite Givet. Elle rigole avec tes conneries, avec les miennes. C'est un joli prénom. Donc tu dis bonjour à Christelle. Bonjour Christelle. Voilà. Enchanté de faire votre connaissance à travers l'objectif, parce que tu ne peux pas se voir autrement. Voilà. Donc, parce que monsieur n'est pas sur Facebook, ils n'ont pas Facebook là-bas sur Otso. Hein. Ah. Et voilà. Ils ne sont pas équipés. Donc je lui ai dit que tu avais bien rigolé avec ton vidéo, donc tu vas encore rigoler aujourd'hui, parce que regarde le gros, il est équipé là. C'est parti, mon kiki, hein. C'est parti, mon karakiki. Mon karakiki. Donc, il a garé sa putain de soucoupe volante là-bas à la tour du millénaire. Et nous voilà partis faire un bon petit tour dans les bois. Et ils n'ont pas de bois sur Otso, ils ont que des cailloux, les mecs. Ouais, on suce que des cailloux. Bon, Christelle, je te laisse découvrir, regarde. On est dans la forêt belge, là. On est derrière la Croix-Caille. Et... enregistré vidéo. Ah bah oui, t'as le gros qui parle à sa caméra, lui, maintenant. Voilà. Donc c'est parti. C'est parti, mon titi. Donc voilà, on est derrière la tour du millénaire, puis on va faire un bon tour. Il fait pas très beau aujourd'hui, pas très chaud non plus. Voilà, on est équipé en conséquence. On sentira pas le... comment qu'on dit? Le moisi. Le moisi. Il n'y a pas de risque. Non. Alors je vous montre quand même la denrée avec sa canne à pêche. Ouais. Il a mis sa GoPro au bout. Ouais. Et vous savez ce qu'il vient de faire? Il vient de filmer les champignons d'arbres qu'on appelle des amadous. Les amadous qui sont là. Voilà.
Donc il filme ça. En fait, le mec, il se fait chier, il filme n'importe quoi. Alors, vous avez vu tout à l'heure sa belle chasuble orange, mais vous n'avez pas vu le sac à dos bleu derrière. Parce que en fait, il ramène des denrées, des denrées alimentaires sur sa putain de planète oxo de merde. Voilà. Donc, tu devrais mettre un mamadou dedans, non? Ah non, j'en ai un chez moi. De mamadou? Ouais, ah bon. J'en ai un chez moi. Je vais laisser tranquille ce jour. Donc voilà, il est équipé le mec. Hein. On dirait un pêcheur, presque un pêcheur breton. Ah, c'est bien. Arme sur l'épaule! Droite! Droite. Voilà. Ah, quand même, tu sais où est la droite. Présenté! Arme! Ah, ça a failli, hein, mec. Mais t'es à fond, là. Ah, oui. Ah, t'es dedans, là. Hein? Bon, alors, qu'est-ce que tu penses de ces champs guerriers? T'as tremblé, je parie. Ah, bah alors là, c'est la première fois que je les entendais, ceux-là. Ah, les champs guerriers, là. Ouais, d'habitude, c'est les champs de cul. Ah. Là, t'as vu que ça... Là, c'est du sérieux. Là. C'est du sérieux. Même les animaux, tu les vois pas. Hein. Ah là là, ils étaient planqués, on n'avait même pas vu un. Bon, on continue. On continue le Parce que ça fait maintenant une heure et demie qu'on marche. Voilà. Donc, il nous reste une heure et demie encore à marcher pour retrouver le casse-dalle. Ouais. Et puis, on va aller pique-niquer dans une charpente du poulet. Ah, il va adorer le poulet. Ouais, s'il nous regarde. Ouais, s'il nous regarde. Petit salopard de poulet. Allez, ciao! Ciao, poulet! Alors, on a trouvé un coin magnifique pour manger. Hein. GoPro enregistré vidéo. Bon, là, il parle au poteau. Enfin, on croit qu'il parle au poteau, mais il parle à sa caméra, en fait. Donc, c'est pas Arpas sur Oxo. Non. Mais on est dans un bel endroit. Ça y ressemble un peu. On est dans un bel endroit. Alors, qu'est-ce que tu as prévu de bouffer, la denrée? Ben, on va attaquer déjà le saucisson de... De Fifi. De Fifi. Alors, il vient de la terre, de la bonne terre. Ça sent la terre après la pluie. Oh. Après la pluie. Donc, on va attaquer mon saucifleur. Après, j'ai une petite boîte de pâté Enaf. Et lui, il a une grosse boîte. Ah, oui. Parce qu'il est plus gros que moi, donc c'est normal. En fait, les boîtes sont proportionnées au poids des gens. Au poids des gens. Donc, lui, c'est un gros, il a une grosse boîte. Moi, je suis un mec, j'ai une petite boîte. Voilà. Et puis, c'est tout. Bon appétit, mon nono. Merci, mon Fifi.